Wesh l'insolence, ça se voit, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va super. Comme d'habitude, aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo test de la nouvelle Ford. Je suis en compagnie de Twitch, les gars. Déjà, si vous voulez autant spam, les gars, c'est très simple. On est en ce bâton actuellement. Ça fait 103 heures d'affilée qu'on est en live. Ça fait 4 jours et 5 heures, je crois. Actuellement, on est vendredi. Cette vidéo sort lundi 18h. Du coup, si entre temps, je suis encore en live, ce serait incroyable. Venez me dire bonjour sur Twitch, les gars. Avant que l'on te camp, je te laisse quand même lâcher ton plus gros pouce bleu, t'abonner et à bien se passer commentaire ce que t'as envie de voir sur la chaîne. On se retrouve directement pour la vidéo, c'est parti. Du coup, les gars, on est directement dans le menu. Ça part. Je vous explique en deux spies. Qui en haut à gauche, c'est le chat Twitch. En dessous, c'est le sub-bâton goal, donc c'est le sub-goal du sub-bâton. En haut à droite, c'est le temps restant qui me reste à stream. Faut savoir qu'à chaque personne qui lâche un sub, ça rajoute 10 minutes au compteur, du coup, bah ça fait déjà 100 heures. Pour ceux qui posent la question, je dors quand même en stream, du coup, c'est drôle. On va commencer directement, je vais directement aller dans la boutique, les gars. Ford Bronco Raptor, il s'appelle, ok. En vrai, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu, hein, pour ceux qui posent la question, c'est pour ça que j'ai pas une réaction de fou. Mais j'étais content parce que je pensais que c'était une hitbox octane, et apparemment, c'est une hitbox Merc. Du coup, j'ai un peu le seum en vrai, mais je la trouve grave belle. En vrai, c'est vraiment une voiture que je trouve grave jolie en vrai. Je pense que ça peut être grave agréable. Du coup, on a la voiture, on a les roues. Ok, j'aime pas du tout les roues. Ouais, en vrai, les Christianov sont parfaitement avec ces voitures. Hein. Sur les deux, ça va tellement bien ensemble. Décale. Ok, petit sticker stylé qu'on va mettre. Ok, et petite bannière. Ok. Avant qu'on mette ça, les gars, évidemment, on met le code créateur Azuma. N'hésitez pas à le mettre, les gars, ça me soutient. C'est totalement gratuit pour vous. Et moi, ça me ralasse de fou. Ça aide pour me payer la villa à la mama, évidemment. On achète ça tout de suite. C'est parti. Nouveau preset, les gars. On va mettre la nouvelle voiture. Quelle est là? En vrai, elle est jolie, hein. Franchement, mettez une note sur 10, les gars, dans l'espace commentaire. Est-ce qu'on peut mettre deux stickers sur la voiture en vrai? En vrai, oui, putain, let's go. Ta soeur, on peut mettre des black market et tout. Est-ce qu'on laisserait pas en vrai la couleur de base, les gars? Est-ce qu'on laisserait pas juste comme ça, là? Ouais, non, avec le sticker quand même. Ou alors, on peut mettre Anodized, hein. Et en vrai, elle est jolie, hein. En vrai, c'est vraiment une belle voiture, je trouve, hein. J'aime beaucoup, hein. Le boost, on va mettre standard noir aussi, parce que c'est une petite masterclass. Phoenix Fire. Oh, il est incroyable! What the fuck, on va mettre ça, les gars. Ok, la spin noire. On va directement en entraînement libre, les gars. On va tester tout ça. Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va pas être bien? Alors, non, vous connaissez la maison quand même. À chaque fois que je teste une nouvelle voiture, je sais pas pourquoi, dans les trois premiers essais, je mets un quad reset. Là, je pense pas qu'on va le mettre parce qu'apparemment, c'est une hitbox merde. Si j'ai pas de conneries, du coup, bah, je pense que je vais galérer. Mais à voir en tout cas. On va directement en entraînement libre, c'est parti. Oh, j'aime beaucoup, hein. Il est vraiment beau quand même, hein. Alors, je suis pas trop 4x4 de base, mais c'est vrai que lui, enfin, je sais pas, j'aime trop. En fait, il y a vraiment un truc de suspension, genre. Je sais pas s'il y a autant de suspension avec les voitures de base et qu'Inoctane, par exemple. Bah, t'as vraiment l'impression de conduire un gros 4x4 et je kiffe d'ouf. Bon, on va écouter le bruit, les gars. Ok. En vrai, j'aime beaucoup, hein. Bon, on passe au test, les gars. C'est parti. On va voir si je me sens à l'aise ou pas avec. Ok. On a fait les quads. En vrai, j'étais très close du quad. En vrai, pour moi, je me sens plutôt à l'aise. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc bizarre, en vrai. Je pourrais pas vous dire c'est quoi, mais j'ai la même impression que quand je conduis le bus Fortnite. Ouh. Les bruits, c'est soit j'arrive, soit j'arrive pas. Ça dépend de l'Xbox. Ok, en vrai, globalement, ça va. J'aime beaucoup le bruit, j'aime beaucoup le design et tout, en vrai. Mais je suis pas à l'aise avec l'Xbox, c'est vraiment dommage. J'aurais dû mettre une Xbox autant sur ça. Hein. Je pense, hein. Ouais, même les musty et tout, il y a un 40, genre. Vers ceux qui me disent que c'est un effet placebo, c'est vraiment pas placebo, les gars. Hein. Je le sens vraiment qu'il y a une différence par rapport à une octane. Oh, on a fait mettre une dinguerie quand même. Un petit signe musty cornerie, ça t'es beau. On va directement aller in-game, les gars, c'est parti. On va évidemment en casu 1v1, comme à chaque vidéo test, évidemment. En vrai, je vais me donner pour objectif de mettre un quadruple reset en game, les gars, pour cette vidéo. Petit objectif de la vidéo, les gars, de base, je mets jamais d'objectif pour les vidéos test. Là, je le sens bien. Petit quad reset, c'est parti, première game. Oh, le bleu, c'est une masterclass, le bleu, par contre. Hein. Avec les reflets et tout, je trouve ça trop beau. Moi, je suis first, ok. Il va faire rouler. Oh, le petit fake, tard les fous, frérot. Il a pris ses vacances, le frérot, là. Non! F, j'aurais first try le quadruple, ça aurait été beau, les gars. C'est mon tout premier essai de la game, ça c'est beau. Hein. C'est vraiment bizarre comme ressenti, hein. Je pourrais pas vous dire. J'ai l'impression de conduire un truc vraiment genre gros et lourd, genre, alors qu'en vrai c'est pas le cas, genre. Azuma, si tu rentres un quad reset dans cette game, je te sub gift. Let's go, mec, on va essayer. Les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein, ce bâton, en vrai je l'ai vite fait dit dans l'intro, je vais expliquer un peu plus en détail ici, du coup. En gros, c'est une sorte de jeu entre le streamer et sa communauté, où genre en gros il fait un stream. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un sub, ça rajoute 10 000 au compteur. De base, le streamer généralement commence avec un live de 12h à 24h, ça dépend. Et à partir de lâche un sub égale 10 minutes, bah les gens offrent beaucoup de subs, du coup ça fait déjà 103 heures qu'on est en live. D'ailleurs, big up à Tico, les gars, parce que je vais pas se live tout seul, je fais le live avec Tico qui est un pote à moi, non, vous connaissez si vous suivez à peu près les vidéos en général. Toutes les 12 heures il prend le relais, c'est-à-dire qu'en gros il stream sur ma chaîne pendant 12 heures. Moi en haut à droite il y a. Enfin, parce que je parle, mais. Mais du coup, ouais, toutes les 12 heures, lui il prend le relais, il stream sur ma chaîne, on fait un peu du relais. Et du coup, moi après, vous me voyez dormir avec une cam en haut à droite. Et quad. Let's go! Enfin, c'est à vous de le valider ou pas, les gars. Est-ce que vous le validez? En soi, on est le quad reset. Après, le quatrième, je l'ai pas retapé, je crois.
Ah si, j'ai retapé ou pas? Je crois que j'ai pas retapé. Dans le doute, on va pas le compter. Est-ce que j'ai le seum, les gars? Notez mon seum sur 10 dans le chat, hein. Vraie question, les gars. Bon, on dirait vraiment plus un Jeep qu'un Ford, hein. Je peux pas vous mentir, les gars. Pour moi, c'est jamais de la vie, c'est le design d'un Ford, hein. Ok, petit reset musty, plutôt clean en vrai. On prend le musty, j'ai bien aimé. En fait, il a vraiment bien roulé, hein. Normalement, je suis très très nul avec Lightbox Merc pour les musty. Mais là, en vrai, bizarrement, j'y arrive. Donc, c'est assez bizarre quand même. Entre le reset musty de Altap et ça, là, il part plutôt bien, le musty en vrai. Ça aurait été mon premier plan B, les gars. Tête de la main. Oh! Non mais c'est trop, frère! Oh, y'a rien qui rentre! Ah, oh, c'est quoi cette vidéo, là? Peu importe ce que je fais, y'a rien qui rentre. Je vais tout casser, là. Let's go, je suis un crack pour les save. Là, vraiment, prenez doré. Dans l'espace commentaire YouTube, notez mon seum sur 20. Genre, vraiment, là j'ai envie de voir. Vous pensez que je suis semé à combien de niveaux, là? Arrêtez de vous foutre de ma gueule dans le chat Twitch, là. Je vous vois, les gars. Vous êtes méchants, là. Si ça rentre pas, je suis une pute, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais, faut peut-être pas abuser non plus. Je veux bien être un peu le clown de tout le monde, hein. Je peux mettre au moins double tap, s'il vous plaît, Rocket League. Merci beaucoup, j'apprécie. On se retrouve directement pour le deuxième match, c'est parti, les gars. Eh, j'en ai tout cassé, les gars. Oh, peu importe ce que je fais, y'a rien qui rentre. On dirait moi avec mon ex, quoi, c'est insupportable. What? Hein? Eh, mais j'ai rien dit, que ça bug, je crois. Bah, évidemment que ça bug, j'ai rien dit, les gars. Go, QCR, ça part. J'en ai tout cassé, j'ai envie de tout casser, en fait. Oh mon dieu, c'était close sa grand-mère. Ok, ça passe sur un quadruple, les gars. Vous le sentez, les gars? Je le sens venir, le quadruple. 1, 2, il y a un prime. 3, 4, let's go! Évidemment, je le sentais, les gars. En même temps, il y a plusieurs qui se subprime, ça c'est pas beau, les gars. Tout est dans le signe, je l'avais senti. Et en fait, c'est une odeur particulière quand même, le quadruple, des fois. Là, je le sentais, les gars, là. Un peu comme on est. Bon, je rigole, j'ai pas fait la blague deux fois, c'est très lourd, c'est très beauf, je rigole. Fin de la game, on se retrouve pour la troisième game, c'est parti, les gars. On est contre Badapada 1. Attends. On est contre Badapadarapa. Badapadarapa. Let's go. J'adore son pseudo. Masterclass. Il vient de me mettre une dinguerie. Il est trop fort. Bien joué, lui. Oh ah. Je vais faire un backboard red derrière, mais j'ai pas pu. Non mais il a vraiment loupé ça, mais je vais tout casser. On va faire un sync pinch double tap si possible. Et putain, frère, j'en ai marre de tout louper. C'était mon free, à chaque fois je loupe tout. Ok, c'est quoi à 0 secondes. Mais je le mets, les gars. On va tout casser. Bah bien joué à lui, bien joué à Badabaradapakatarabadarabada. Mais joli mon ref. La voiture elle est trop jolie, hein. Genre vraiment le design et tout, je sais pas ce qu'on pensait, les gars. Mon petit reset musty. En vrai, je voulais double tap, mais il est parti dans la cage, donc bah tant mieux. Hein. Pas ouf en vrai, on va skip. Mais toujours bon à prendre dans une vidéo, évidemment. Non, 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 tout, mais c'est pas ça, s'il te plaît. Comment tu peux louper un open comme ça, je t'en supplie. Non, mais il a fait zéro effort, le frérot, là. Moi j'ai un petit frère et il a ce niveau là, les gars, il loupe un open comme ça, je vous promets. Je l'enferme dans une chambre, je le fais jouer jusqu'à qu'il ne loupe plus jamais des loopens comme ça. C'est quoi ça? C'est inadmissible. C'est quoi? Je vais laisser la balle, on va voir s'il va louper l'open. Bon, il va venir, bon, je peux plus en faire pour lui là pour le coup. On va essayer de tenter un ceiling musty corner et si je le mets, vous abonnez tous à la chaîne, les gars, évidemment. J'en ai littéralement jamais mis de ma vie. Dommage, je suis une merde. Frérot, s'il te plaît, laisse-moi la balle. S'il te plaît, mon ref. Merci beaucoup, t'es un crack. Il suffit de demander, hein. Des fois, faut juste essayer d'être poli en game. Et ça marche. Ouah, toujours plus haut le musty, frère. Je te fais un doublette musty. Théma, où est-ce qu'il va le musty là? Oh, il a rejoint Thomas Pesquet. Il était en orbite basse. J'ai envie de tout casser. Non, frérot, pourquoi je mets ça?
Je suis trop nul, ça me saoule. Ouais, j'aime beaucoup la voiture hein. Pour l'instant, les gars, si je dois vous donner un petit avis comme ça. Après, on fera une dernière game, mais pour l'instant, un petit avis à chaud, les gars, j'aime beaucoup la voiture. Hein. Genre vraiment. Comment tu veux que je n'aime pas la voiture quand je mets ça en fait? La voiture est trop bien, genre notre jeu qui a tout qui rentre avec. Même si c'est une hitbox meilleure, qu'en vrai j'aime beaucoup. Tu vois ou quoi? Bon, elle est partie vraiment rapidement quand même, hein. C'est assez abusé quand même. Alors en instant, évidemment, directement dans le trou. Comme c'est bon, je vais pas refaire la blague, on s'est compris évidemment. Je me transforme en beauf, là j'en ai tout cassé. Hein. Oh, psycho! Non, s'il te plaît, je t'en supplie, même pas. Mais va te faire. Mais putain, frère! Non, mais c'est trop. Il loupe des open, pourtant, moi il me loupe pas, hein, bizarrement. Il était insupportable, hein. Si tu vois cette vidéo, sweet, frérot, t'es vraiment nul, hein. Mais je t'apprécie beaucoup. Pense à lâcher ton pouce bleu. Il y aura un seul dislike, c'est avec lui, ça va être lui, frérot, c'est bon. Bon, on se retrouve directement pour la cinquième et dernière game, les gars, c'est parti. On est encore avec le même. Je vais tout casser. Non, c'est trop. D'espace commentaire YouTube, les gars, faites un concours de blagues. La personne qui me fait la meilleure blague possible, qui nous fait rire, je vous promets, les gars, je le mets en épinglé. À vous de faire les meilleures blagues, les gars. Sachant qu'en plus, moi, les gars, pour me faire rigoler avec une blague, c'est très dur. Je crois que t'as loupé la balle, frérot. Bon, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup plus intelligent que le premier match. Donc j'ai vraiment l'impression que même mécaniquement, il a donné la manette à son frère, les gars. Je pense vraiment qu'il a donné la manette à son frère. Vous en pensez quoi, les gars? Je crois que t'as loupé la balle. Ça fait deux fois qu'il loupe quelque chose, hein. Peut-être qu'il bug, j'en sais rien. Il passe à côté de la balle, j'ai pas compris. Petite double tap, évidemment. On lui a mis 7-3, les gars, ça c'est beau. Je pense vraiment qu'il pète son crâne là. Même en donnant la mallette à son frère, il arrive à perdre. Ça c'est triste quand même. Bon, du coup, les gars, petit débrief par rapport à la voiture. Putain, je viens de remarquer qu'en fait le boost il sort du. Mais même le pot d'échappement est trop stylé. Et il y a des flammes qui sortent du pot d'échappement. Alors ça c'est beau. Genre le boost il sort du trou du pneu. C'est vraiment stylé. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup la voiture. Genre vraiment, je suis vraiment à l'aise avec, je trouve. C'est pas une voiture avec laquelle je joue en ranked, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense. Il suffit juste d'avoir un petit temps d'adaptation. Vous voyez, prends un game 2, vous avez vu, je pense que je galère un peu. Même si on a mis quand même des quadrilles et tout, je galère quand même. Une fois que t'es habitué à la voiture et tout, à la hitbox et tout, en vrai, ça va, t'arrives quand même à mettre des petits trucs clean, des petits trucs sympas, comme ça. On va donner une note sur 20, les gars, comme d'hab. Niveau design, je lui donne vraiment genre un bon 8-9 sur 10 parce que je trouve qu'elle est vraiment réaliste et tout, elle est vraiment jolie. Et en termes de confort de jeu avec la hitbox et tout, je lui mets. Je vais être un peu méchant, mais je mettrai entre 5 et 6. Donc on va mettre 5,5 pour la hitbox, ressenti in-game et tout. Est-ce que je vous la conseille? En vrai, 1100 crédits, c'est pas si cher pour une voiture comme ça en vrai. En plus, là, vous pouvez changer les roues, les stickers, vous pouvez clairement la personnaliser et tout. Et ça, c'est vraiment trop stylé. Avant, c'était pas le cas avec certains DLC, par exemple avec McLaren, on se souvient. En vrai, je vous le conseille. Si vraiment vous aimez bien la marque et tout, vous aimez bien la voiture, en vrai, go l'acheter. En tout cas, si vous l'achetez, les gars, code 14 mois évidemment, moi c'est gratuit, ça m'aide de fou et ça ralasse. Merci Twitch d'avoir été là jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à passer sur Twitch, les gars, dire bonjour si ça vous plaît. Pensez au petit pouce bleu, petit commentaire et à l'abonnement, ça fait plaisir, ça aide de ouf, les gars. Moi je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Azuma. Peace.